Hey, salut tout le monde, c'est quoi? Bon Gus et bienvenue sur Pro Cycling Manager 2015 pour la carrière suivie Team Arkham Pro Team Aeroflot le 29 juin 2017. Ce sont les championnats nationaux. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait deux vidéos avec sept championnats par vidéo, et en fait, ça va changer. Il y aura quatre vidéos, désolé. Trois courses, quatre courses, trois courses, quatre courses, donc sur 2 jours. Hein. Au final, il y a quatre vidéos, mais ce n'est que sur 2 jours, hein, c'est pas sur une semaine. Hein, voilà, donc c'est assez rapide quand même. Mais voilà, par manque de temps, manque de temps, simplement, c'est même pas de motivation, non, non, c'est pas ça. C'est vraiment le manque de temps qui fait que, bah voilà, je peux pas me permettre de jouer sept étapes d'un coup comme ça et tout. Après, il y a l'upload, la mise en ligne, le montage, enfin, montage, oui, le montage, le rendu, bah, bref, tout ça, vous le savez maintenant. Donc, désolé, ce sera sur quatre vidéos. Voilà, c'est comme ça. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. En tout cas, je tiens tout d'abord, oui, à vous remercier certains, enfin, même pas mal d'entre vous, qui m'avaient un petit peu rassuré sur le fait, vous savez, je vous avais dit que c'est vrai que sur la vidéo où ça a bien buggé au niveau du son. J'ai reçu pas mal de critiques, pas mal de choses, j'ai perdu 10 ou 12 abonnés à cause de ça. Bon, là, on est revenu sur une phase ascendante où les gens reviennent, tant mieux. Et pas mal d'entre vous m'ont vraiment, voilà, rassuré, m'ont dit, voilà, il n'y a pas de problème, ça arrive, c'est cool, ne t'inquiète pas, et tout, ça reste de bonne qualité. Enfin bref, pas mal de messages bien sympas, et j'avoue que ça, j'étais pas en pleine déprime, hein, ne vous inquiétez pas, j'étais pas pour ça. YouTube, bon, bah, c'est pas non plus le plus important non plus. Mais tout de même, on sait très bien que recevoir des messages négatifs, je trouve que c'était vraiment la première fois que ça arrivait, qu'il y avait autant de messages assez, voilà, virulents, on va dire. Et donc, du coup, ça fait plaisir de recevoir aussi des messages après pour dire que, voilà, au final, voilà, ça ne change rien à la qualité, ça ne, voilà, les fidèles sont là, c'est cool, tout, bah, bref. Voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier en ce début de vidéo. Ça fait plaisir et ça me motive encore plus, encore une fois, à vous faire plaisir, faire des choses et tout. Voilà, à savoir que la carrière extrême commencera pas ce week-end, mais lundi, oui, je me suis dit pourquoi commencer un week-end, c'est un petit peu con, autant commencer le lundi, ou le dimanche, je ne sais pas, ce sera dimanche ou lundi, peut-être dimanche. Vous serez encore en vacances, donc peut-être que pour le premier, première vidéo, c'est peut-être bien que je fasse ça le dimanche. Voilà, sur ce, les championnats, ah oui, pour aussi pour vous dire qu'une fois que la carrière sera lancée, alors je ne sais pas dans quel ordre, mais il y aura le matin, par exemple, la carrière suivie Team Arkham Pro, et le soir à 8h, donc la Team Arkham Pro, et à 20h, il y aura la carrière extrême. Ou alors la carrière extrême à 8h le matin, et la carrière Team Arkham Pro le soir. Donc il y aura toujours deux vidéos de PCM par jour, sauf que eh ben, il y aura les deux carrières en parallèle par jour. Voilà. Alors, sur ce, bah, écoutez, moi je vous dis à tout de suite, ce sont les championnats de Suisse, comme d'habitude, là vous voyez ça, mais après vous ne verrez pas, vous ne verrez que les 20 ou 30 derniers kilomètres, hein, seulement, ça sert à rien que je vous montre beaucoup plus, je sais, oui. Du coup, je pourrais faire 7 étapes, mais non, non, il n'y aura que 3 pour celle-ci en tout cas, et 4 pour ce soir. Voilà, sur ce, on se retrouve sur les championnats de Suisse, c'est parti, les championnats nationaux, et on espère remporter le plus de maillots possible pour la Team Arkham Pro pour la fin de saison, la saison prochaine, à savoir aussi que les transferts sont en cours, et oui. Oui, mais quoi, t'avais dit de le faire en live? Bah, non, désolé. En live, peut-être qu'on fera, s'il reste quelques coureurs à acheter, on verra ça ensemble, peut-être, mais je ne pense pas. À noter aussi d'ailleurs que je ferai une vidéo demain, mais il y aura un live ce soir. Et oui, sinon c'est la vidéo pour jeudi, donc ce soir il y aura un live à 21h jusqu'à, je ne sais pas, car vendredi matin je ne bosse pas, donc du coup je pourrai me reposer, donc il y aura un live. Voilà. Ma chérie sera là, sans problème, elle participera, comme d'habitude. Enfin, j'espère. Allez, sur ce. C'est parti, putain, 4 minutes d'intro. C'est long, mais il fallait que je vous remercie, franchement, ça fait plaisir. Allez, hop, 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 allez les championnats nationaux. 20 km de ces championnats de Suisse, je mets en x2, car vous le voyez, voilà, King est totalement KO, kaput. Le peloton ne roule pas, et bah voilà, ce sera donc Bayford. Non, Bayfar, pourquoi Ford? Bayfar, ça. Ouais, Bayfar qui sera champion de Suisse, le cours de la Yam Cycling. Il reste 12 bornes. Voilà, bon, là il n'y a rien à faire. Mon coureur est totalement HS. King n'est pas du tout en forme, hein, c'est sûr. Donc voilà. Bon, zéro de forme pourtant, donc c'est sympa. Mais bon, allez, un petit x4 même. Mais désolé, hein, du coup, alors, la vidéo va être plus courte que prévu, peut-être. Alors quand même, tu pourrais peut-être m'en rajouter une course. Non, non, je ne rajouterai rien. Il y aura 3 courses, point barre, les enfants, c'est tout. 3 courses. Alors lesquelles, je ne sais pas. Hein, après la Suisse, bon, même c'est toujours le même ordre, mais je me rappelle pas c'était quoi la dernière fois. Donc c'était Suisse, après je sais plus, c'est quoi, c'était. Je sais plus, enfin bref, peu importe. Allez, 5 bornes, il y a accouche, mon petit Bayfar, dépêche-toi, s'il te plaît. On va se finir la descente en plus, donc c'est bon.
Champion de Suisse, donc Beyfar. En plus, il attaque, il est encore en pleine forme, lui. Hein. Pourtant, il a des notes bien pourries hein, par rapport à mon King. Regardez-moi ça. Voilà, mais bon. Et voilà, c'est fini. On est 10x8 maintenant. Tant pis, je ne serai pas champion de Suisse. Bah écoutez, on peut pas toujours gagner hein, les maillots. On peut pas toujours les avoir, hein, c'est logique. Tant pis, c'est comme ça, écoutez. C'est pas grave, j'assume et j'accepte le fait d'être deuxième championnat de Suisse. Martin Helmiger toujours là, lui, un hein, troisième. Et les autres seront hors délai. Comme d'habitude. Le peloton qui est à 1h06, le peloton c'est génial, le peloton, ouais, vive le peloton, et bah ben voilà, hors délai, c'est génial, c'est magnifique. Trois coureurs à l'arrivée, c'est cool. Voilà donc les championnats de Suisse, on se retrouve pour je ne sais pas quel championnat après. Voilà, on va quand même essayer la victoire de Boy Bayfar, bien joué à toi. Champion de Suisse, c'est cool. Avec bien sûr le RTL Sport, car c'est en Suisse. Nous allons voir tous les mecs, d'ailleurs tous les journaux là. Et oui, il y a de tous les pays, donc ça va être sympa aussi ça. Bayfar, oui, il a 23 ans, le petit grimpeur là. Bah, voilà. Bien joué à lui. Sur ce, rendez-vous sur le prochain circuit des championnats nationaux. Et nous verrons bien de quel pays il s'agira. À tout de suite. 23 km dans ces championnats nationaux des États-Unis. Mais Los Angeles et Rancho Palos Verdes. Pourquoi pas. Ouais, donc là, bah, on est parti de Los Angeles, hein, c'est magnifique, magnifique. Voilà. Un championnat qui me passionne outre mesure. Mais bon, comme je disais, ça peut être bien de l'avoir comme ce maillot. Même si, bien sûr, c'est pas du tout celui que je préfère avoir, mais pourquoi pas. Comme je dis souvent, bah, ça reste un maillot de championnat national. Hein. Voilà, c'est tout, ça se met de champion, c'est toujours sympa de les gagner. Mais là, avec le moins 3, je doute que je puisse. Voilà. D'ailleurs, de mes transferts, si tout se passe bien, vous aurez peut-être. Alors, je ne referai pas de jeu car j'ai pas de nouvelles clés. À moins que, si vous voulez, je pourrais peut-être refaire le jeu de savoir qui est-ce que j'ai recruté, tout ça. Il y aura rien à gagner, mais c'est pour vous faire participer comme je fais de temps en temps. J'aime bien vous faire participer, ça fait vivre comme l'espace commentaire, ça vous fait plaisir voilà, d'avoir la bonne réponse, tout et tout. Voilà. Bon, je pense que peut-être que je referai ça, je ne sais pas. J'ai gardé ton image en plus qui me servait pour cacher les noms et tout ça, donc. Niveau truc, j'ai pas grand chose à faire à part. On verra bien. Ce n'est pas sûr, hein, je vous dis ça comme ça. On verra bien. Allez, 13 km, donc moins 3 de forme hein, pour Craddock. C'est pas cool. Ouais, c'est attendu. Alors qu'il y a BMC qui tente de partir là, c'est. Oh, il y a nous, alors il se fait rattraper peut-être. Hein, c'est peut-être plutôt ça. Car la BMC roule, donc maintenant, ouais, c'est ça. Il se fait rattraper par la patrouille, comme on dit. Non, c'est pas ça la patrouille, on dit ça, c'est parce que. C'est quand je fais prendre pour dopage, on dit ça. Mais non, c'est pas le cas. Allez, 10 km. Les BMC qui roulent. Bah, forcément, il y a TJ peut-être là encore. Birch. Non, TJ n'est même plus. Et Tanner Finney qui roule. Bref, allez. La montée finale bientôt. 8 km. Ah, bah, ça va être dur. Hein. Vous voyez, mon jaune, il est quasiment HS. Le petit Craddock. Ah, un BMC qui remonte pour les bidons seulement. Allez, c'est parti. Hop là. 6-5 km à parcourir. Allez, mon petit Craddock. Tu peux le faire. Hein. Tu peux le faire. Bon, peut-être pas en roulant en 80, mais bon. Et ça attaque. Avec qui ose attaquer là? Qui ose, les gars d'attaque, mais pour l'instant ils ne prennent pas le trop large, c'est bon. Craddock est toujours dans le coup. Hop, on va mettre le gel maintenant. Voilà, on revient sur eux. Maintenant Craddock a quand même des bonnes notes, hein. 119 montagnes, voilà, 112 vallons, 130 vallons plutôt. C'est quand même pas si mal, hein. Allez, ah, ça va être dur là. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Mais bon, pourquoi pas. Allez, Craddock, oh, non, c'est mort. Victoire de Talanski, Van Garderen, TJ Van Garderen, TJ, Talanski, TJ, non. Talanski, champion des États-Unis. Et nous faisons 8e. Bon. Et pas 9e, non, 8 et 9, super. Andrew Talanski, champion des États-Unis. Bien joué. Donc deux courses et deux non-maillots. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de maillot.
En passant à la Suisse, je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé que King récupère encore une fois son maillot, ce qu'il a eu depuis le début quasiment. Et donc là, le journal, voilà, c'est Endurance Sports. Et oui, comme je vous l'ai dit, hein, sur les journaux des pays. Donc, du coup, on va avoir un beau panel là de tous les journaux que la PC Daily nous propose. Et ça va être super sympa. Bref, sur ce, rendez-vous bah, pour le troisième championnat national et la dernière, hein, du coup. Car je vous l'ai dit, il n'y aura que trois pour cette vidéo du matin. Une petite vidéo rapide, ça vous fera plaisir. Voilà. Allez, à tout de suite. 24 km sur ces championnats de Colombie. Avec, bah voilà, vous voyez le groupe ici, le peloton. Devant, il y a Duarte qui a 4 minutes 37 d'avance. Oui, personne ne roule maintenant dans le peloton. Les mecs n'ont pas envie de rouler dans ce groupe-là. Ils disent, voilà, on roule pas. Moi, je roule de temps en temps, mais voilà. Les gars, ils disent, non, non, mais c'est bon, nous, on roule pas. On s'en fout. Un petit bidon. Ah oui, j'attendais d'être envie de filmer pour prendre le petit bidon, et oui, c'était important de vous montrer. 5 minutes d'avance, oui, bah c'est génial, hein, en fait. Mais là, ils veulent pas me laisser partir, ça qui me saoule un peu, là, c'est qu'ils me laissent pas partir, les gars. Ils ne veulent pas que je parte. Ils ne veulent pas que je parte, et pourtant, ils laissent partir Duarte devant. Alors, où est la logique, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, quoi, les mecs. Quand moi j'attaque, ils roulent, mais Duarte, lui, il a 5 minutes d'avance, et lui, tranquille, il le laisse. Voilà, donc je sais pas. C'est pas logique, on va dire, hein, tout ça. Allez, allez, allez. Cette accélération-là. On va mettre un petit x2. Bah oui, non, je suis désolé, mais bon, voilà, encore une fois, c'est assez long, hein, tout ça, donc. Voilà, chaque Quintana, je suppose, voilà, Quintana et là, c'est impossible de résister. Nous ne serons pas champions de Colombie. Encore une course où nous ne serons pas champions. Encore un championnat où nous ne serons pas vainqueurs. Et bien, décidément, voilà quoi. C'est compliqué là, les championnats nationaux. Wow. Autant des fois, c'est super simple, mais alors là, voilà, j'avoue que c'est hyper compliqué. J'en chie pas mal, j'en chie pas mal. En plus, j'ai quasiment plus de vert, plus de jaune, le rouge c'est limite, c'est génial tout ça. Ouais, je tente une petite attaque. Non, je vais même plus attaquer, je vais plus rien faire, c'est fini. Voilà, Quintana va être champion de Colombie. Bravo à lui. Ah ouais, bah voilà, c'est. Ouais, bon, tant pis. Écoutez, c'est comme ça. Voilà, bien joué Nairo Quintana qui va être champion de Colombie, comme je le disais. Bien joué, bien joué, bien joué. Et non, Nairo Quintana ne fera pas partie de mon équipe la saison prochaine. Mais non, je vous le dis tout de suite, non, il ne fera pas partie de mon équipe. C'est non. Enfin, normalement, non. Quoique, je ne sais pas. Bon, après, dans le jeu, c'est sûr que si je vous mets Colombien avec 82 de général, là, il n'y aura pas de soucis pour trouver. Hein. Mais attention, attention, surprise qu'il peut y avoir. Il peut y avoir la surprise, hein, je vous le dis. Allez, c'est la victoire de Nairo Quintana et on va encore faire deuxième. Oui, là, on va faire deuxième, ne vous inquiétez pas. Hop. Un petit fois deux. Ouais, non, peut-être même pas de deuxième, troisième, parce qu'apparemment, Duarte va faire deux. Derrière, ça revient peut-être aussi, donc Betancourt qui est là, non, on va même pas faire, peut-être même pas un top 10, ça se trouve. Je sais pas, on verra. Bon, bah en tout cas, victoire de Nairo Quintana. Bien joué, Nairo. Bah, champion de Colombie, ça, il le mérite. Hein. Duarte est deuxième. Troisième, certainement, Rivera. À moins qu'on me saute sur la ligne, mais je ne pense pas. Non, c'est bon. Troisième, voilà. Bon, bah écoutez. Ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Et en tout cas, ce sera la dernière course cette vidéo, comme je vous l'avais dit. Voilà. Alors par contre, est-ce que là il y a mon petit chat, il m'inquiète un peu mon petit chat, parce que si je fais ça, s'il tombe, il tombe sur mon PC, j'ai pas trop. Oui, mon petit chat, attention. Tu m'inquiètes mon chat en te mettant comme ça là. Ouais. Tu me fais peur mon chat. M'as déjà fait tomber mon subwoofer sur mon PC une fois, waouh. Ça m'a fait flipper quoi. Ouais, je sais pas trop confiance, mais bon, c'est pas grave. Allez, ouais, on va lui faire confiance. Nairo Quintana, bon, les mecs, ils arrivent ou quoi là? Allez, 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 on se manufion là, les mecs là. Allez.
Victor Donnero Quintana, champion d'Espagne, n'importe quoi, de Colombie, le coureur de la Movistar Team. D'ailleurs, ça changera de nom, sera Telefonica, je crois, la saison prochaine, Movistar. L'équipe, ah bah voilà, ils n'ont pas de journaux en Colombie, c'est l'équipe. Super. Bref, les amis, voilà, sur ce, on va se laisser ici. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous et rendez-vous ce soir, enfin, pour la prochaine vidéo et la suite des championnats nationaux. Encore une fois, je suis désolé de ne pas en mettre 7 d'un coup, mais voilà. Vous comprendrez, j'espère. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.